Dans ce podcast, nous vous montrerons la prise en charge étendue du Black Magic Raw dans Edus 10. Edus a été l'un des premiers programmes de montage vidéo à prendre en charge le Black Magic Raw, ou BRAW pour faire court. Blackmagic a mis à jour son format BRAW vers la version 2.0 avec le profil des couleurs de génération 5 Color Science. Cette nouvelle version a été prise en charge par Edus 10 version 10.20 depuis la mi-juin. Ainsi, Edus prend désormais en charge les sources des dernières caméras Ursa Mini Pro 12K, Pocket Cinema 6K Pro. Les autres caméras Blackmagic qui prennent en charge le BRAW sont l'Ursa Mini Pro 4.6K G2, la Pocket 4K, la Pocket 6K. Ces caméras peuvent être mises à jour via leur firmware pour accéder à la dernière version BRAW. BRAW propose deux méthodes de codage, le débit binaire constant ou la qualité constante. Les deux formats sont pris en charge sous tous les niveaux disponibles. La qualité, la résolution et la fréquence d'image. Edus 10 version 10.20 reconnaît automatiquement l'espace colorimétrique du matériel BRAW lors de l'importation. Edus 10 facilite la conversion du BRAW vers l'espace colorimétrique souhaité. Ainsi, vous pouvez facilement convertir le matériel source, par exemple vers l'espace colorimétrique HD standard REC 709 ou en HDR HLG. Edus offre la possibilité d'adapter la large plage dynamique du BRAW vers l'espace colorimétrique cible afin d'obtenir facilement un résultat techniquement parfait. Cliquez ici pour le podcast suivant. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez trouver plus de trucs et astuces dans notre playlist de podcasts Edus. Visitez edus.fr pour plus d'informations sur Edus, les plugins, les tutoriels et les derniers téléchargements.